Salut à tous, on se retrouve sur Wakarm.net. Je suis avec XMS qui vient tout juste de remporter son match contre Ago. On va parler un peu du match, donc notamment sur la première map. On a pu remarquer un round où vous aviez save un Mawap. Et derrière, Scream en a acheté un autre et vous y étiez trois joueurs en full écho. Alors c'est un bail un petit peu particulier, est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel était le résultat qui était attendu? Alors en gros, sur ce round-là, c'était pas prévu de base. Adil avait assez d'argent pour acheter un Mawap. Vu qu'on avait save un AWAP et on avait quand même pas mal de sous, enfin, entre guillemets, on était à, je crois, à 2 ou 3K. Et du coup, Adil a simplement forcé à l'AWAP et on a essayé de mettre le round comme ça. C'était pas prévu de base et je sais même plus ce qui s'est passé d'ailleurs sur round-ci. Mais voilà, en gros, c'était pas prévu et en fin de compte, ça a terminé en bas. Quoi. D'accord. Et donc, du coup, sur le match en général, on a pu remarquer que sur votre pick, donc Overpass, qui est aussi une map que vous ne jouez pas non plus énormément, vous aviez un jeu qui était plutôt très agressif comparé aux autres maps. Du coup, est-ce que c'était un choix qui était stratégique ou c'était juste un regain de confiance? Je ne saurais pas trop dire. Enfin, Overpass, c'est une map qu'on a très peu joué par rapport à Cash, Cobble et toutes les autres maps. Et le style de jeu agressif dessus, c'est juste qu'on... du fait qu'on l'a moins joué, peut-être qu'on a plus de liberté. On se permet plus de choses, et puis voilà, quoi. C'était juste ça. D'accord. Du coup, on remarque aussi de manière générale que les équipes jouent de plus en plus agressives sur leur site CT. Est-ce que c'est un signe que la méta change? Je suis pas un expert pour répondre à ça, mais je dirais que oui, de toute façon, les méta changent tout le temps. Il faut s'adapter, peut-être que oui, maintenant, c'est le fait de jouer agressif en CT. Enfin, je suis pas un expert sur ça, mais certainement. D'accord, et du coup, vous allez donc maintenant affronter Optic pour la finale du Loser Bracket, donc pour votre place au Minor Qualifier. Est-ce que là, maintenant, vous redoutez le match contre cette équipe? Alors, très honnêtement, on espérait jouer Optic et pas Space Soldier, parce que Space Soldier, c'est un peu notre bête noire, et on est très content de jouer Optic. Personnellement, on les a regardés un petit peu jouer, que ce soit avant ou même pendant les matchs du Minor. Et après on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas ouais, on est vraiment content de jouer eux et Space Soldier, mentalement quoi. D'accord, et merci beaucoup XMS, et voilà, bonne chance pour la suite du tournoi.